Bienvenue à ma chaîne électronique Sampen. Dans cette vidéo, je vais vous montrer principalement le fonctionnement d'un amplificateur en classe B, dit aussi amplificateur push-pull. Dans cette partie, je vais vous montrer comment dessiner un montage amplificateur en classe B, c'est-à-dire un montage push-pull, sous l'environnement Proteus Isis. Donc pour cela, il faut tout d'abord chercher les composants qui forment notre circuit, à savoir l'alimentation continue, deux transistors BC550, BC560, des résistances, des diodes 1N 4007 par exemple, et des condensateurs électrolytiques. Ok, donc je vais commencer tout d'abord par l'implantation ou bien par le dessin des transistors pour le BC550. Je vais le placer par exemple ici, le BC560, donc un transistor PNP. Je le supprime une deuxième fois, je le tire de ma boîte. Donc le voici. L'alimentation continue. La voici. Les deux diodes 1-4007. Une autre. Donc je vais déplacer un peu ce transistor. Ici, la diode, là par exemple, l'autre ici. Des résistances, une là. Et une autre ici. Donc, je commence à connecter mes composants. Et ici, l'alimentation. Donc je vais effacer ça, je déplace l'alimentation. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste la masse. Donc ici, sur Terminals Mode, Ground, je place une là et une ici par exemple. Et je vais faire la connexion de la masse ici, puis de l'autre masse là. Donc je fais un zoom, d'accord, et je centre mon schéma sur l'écran.
cette connexion elle est fausse, donc je dois faire ceci. J'ai besoin de condensateurs électrolytiques. Donc mes composants, un condensateur électrolytique, je vais le placer ici. Et un autre là en sortie. Voici le montage amplificateur en classe B. Donc le signal que je vais injecter à l'entrée de mon circuit A, je vais l'injecter en ce point. Et la sortie, je vais la prélever de la sortie de ce condensateur C2. Donc je vais choisir ici une source de tension alternative. Je vais faire la connexion. D'accord. Je choisis une valeur de son amplitude, par exemple 1 Vmax égale 1 volt, c'est-à-dire ici 2 volts crête à crête et une fréquence de 1 kHz par exemple. D'accord. La même chose, je peux visualiser ce signal en utilisant un oscilloscope. Oscilloscope. Donc ici l'oscilloscope virtuel a 4 canaux A, B, C et D. Par exemple, si je veux visualiser le signal d'entrée de mon amplificateur, donc je sauvegarde mon circuit. Donc j'exécute le logiciel ISIS uniquement pour visualiser le signal que j'ai appliqué là. Donc les quatre chaînes, les voici. Donc je vais mettre C, B et D à l'état off pour ne visualiser que le signal qui est appliqué au canal ou bien à la chaîne numéro A. Donc je vais régler le GND. GND sur 0, position AC, je visualise le signal, je choisis un calibre de 1 volt crête à crête. Qu'est-ce que je remarque? Je remarque que ici l'amplitude elle est égale à 2 volts crête à crête et bien sûr la fréquence elle est égale à 1 kHz. Donc je stoppe la simulation. Si je veux visualiser le signal de sortie quand R1 est égal à 10 kilos. R2, la même chose, elle est égale à 10 kilos. Donc je vais me retrouver avec le signal suivant, bien sûr, en exécutant les logiciels ISIS Proteus. Donc je vais mettre la chaîne B au GND. Je vais choisir un GND égal à 0. Je vais le placer sur 0. Position AC. Je vais choisir un calibre qui est le même que celui de la sensibilité verticale de la chaîne numéro A. Donc, qu'est-ce que je constate? Je constate que deux signaux d'entrée et de sortie sont en phase et en même temps ont la même tension, c'est-à-dire que le gain, la même amplitude, c'est-à-dire que le gain en tension de mon amplificateur push-pull, il est égal à 1. Donc regardez ici, je vais changer ici la sensibilité verticale. D'accord? Donc je vois que hein, j'ai 4 carreaux, 4 fois 0,5, c'est 2 volts crête à crête. Et par conséquent, le gain en tension de mon amplificateur est égal à 1. Maintenant, nous allons nous intéresser à son étude statique. Donc je vais enlever les deux signaux d'entrée et de sortie qui étaient branchés à l'oscilloscope. D'accord? Donc, une petite description à ce montage. Donc, ce montage est formé de deux transistors, ici le BC550 et le BC560. Ces deux transistors sont dits deux transistors identiques. Maintenant, c'est quoi deux transistors ou bien qu'est-ce que ça veut dire deux transistors identiques? Deux transistors sont identiques lorsqu'ils ont
le même gain en courant bêta, le même courant IC max, la même tension maximale que peut supporter le collecteur, la même fréquence de transition, c'est-à-dire la même fréquence maximale que peut traiter ce transistor, et ils sont complémentaires. C'est quoi deux transistors complémentaires? Deux transistors complémentaires lorsque le premier est de type NPN et le deuxième est de type PNP. Donc, un montage push-pull utilise deux transistors qui sont identiques mais complémentaires, c'est-à-dire un de type NPN et l'autre de type PNP, branchés dans ce montage de cette façon. Donc, il utilise deux diodes D1 et D2. Leur rôle, nous allons le voir par la suite, et bien sûr des résistances de polarisation. Le tout est alimenté par une tension continue, par exemple ici, une tension de 12 volts. Maintenant, déterminons théoriquement les tensions aux différents nœuds par rapport à la masse de notre montage. Tout d'abord, calculons VC. Nous allons noter ce point C par exemple, VC par rapport à la masse, VCM. Donc, puisque nos deux transistors Q1 et Q2 sont identiques, alors ils ont la même tension VCE. Appliquant ici la loi des mailles, nous avons VCE plus VCE égale VCC, c'est-à-dire quand VCE prend une valeur VCEQ, nous aurons VCEQ plus VCEQ égale à VCC, égale à 12 volts. Et par conséquent, 2 fois VCEQ égale à VCC, et donc VCEQ d'un transistor donné, elle est égale à VCC divisé par 2. Maintenant, si nous notons ce point par B1 et ce point, ce nœud par B2, VB1M, nous allons appliquer la loi des mailles, c'est VEM plus VBEQ. Sachant que VEM, c'est VCEQ, c'est-à-dire VCC divisé par 2, alors VB1M, elle sera égale à VCEQ, VCC divisé par 2 plus de VBEQ du premier transistor Q1, c'est-à-dire plus 0,7. En faisant une application numérique, quand VCC égale à 12 volts, ici nous allons avoir 6 volts, et ici nous allons avoir 6 plus 0,6 ou bien 0,7, c'est-à-dire 6,6 ou bien 6,7 volts. Maintenant pour la tension VB2M. La tension VB2M, nous allons toujours appliquer la loi des mailles. Elle est égale à VEM moins VBEQ du transistor Q2. Sachant que VEM, c'est VCC divisé par 2, alors VB2M, elle sera égale à VCC divisé par 2 moins VBEQ du transistor. Donc les deux transistors BC550 et BC560 commencent par la lettre B, donc ce sont deux transistors qui sont en silicium. Et donc, leur VBEQ, elle est égale à 0,6 ou bien 0,7 volts. Par conséquent, VB2M aura une valeur égale à 6 volts moins 0,6 ou bien moins 0,7. En conclusion, nous pourrons dire que la tension VEM, c'est l'alimentation divisée par 2. La tension VB1M, c'est la tension d'alimentation divisée par 2 plus VBEQ plus 0,7 et la tension VB2M, elle est égale à la tension d'alimentation divisée par 2 moins VBEQ du deuxième transistor, c'est-à-dire moins 0,6 ou bien moins 0,7 volts. Donc nous allons vérifier ça pratiquement. Donc j'ai besoin d'un voltmètre continu, donc je vais le prendre d'ici. Donc je vais placer un ici, un autre là,
et un autre là. Donc j'ai besoin de la masse, c'est je peux directement faire une connexion là. Donc les masses des trois voltmètres DC sont reliées à la masse de mon montage. Donc je vais mesurer pratiquement sous Isis la tension VCEQ, bien la tension VEM, cette tension VB1M et cette tension VB2M. Donc j'exécute le logiciel Isis. Et je m'intéresse uniquement à mes tensions. Donc regardez, ici VC égale à 12 volts. Regardez, la tension VEM, c'est 6,04, c'est-à-dire 6 volts. Ici, on se retrouve avec 6, à peu près 6 volts, c'est-à-dire 6 plus 0,6. Et là, on se trouve avec à peu près 5,5, c'est-à-dire 6 moins, à peu près moins 0. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les tensions pratiques obtenues sous l'environnement Isis de Proteus sont pratiquement égales à celles qu'on peut calculer théoriquement. Donc, pour chaque transistor, on constate que sa tension VCEQ, elle est égale à l'alimentation divisée par 2. Donc, ceci concernant VCEQ. Maintenant, pour le ICQ, donc je vais placer, donc je stoppe la simulation, je vais placer 1 milliampère mètre ou bien 1 microampère mètre, donc ici et un autre là, pour mesurer ce courant et ce courant. Ce courant, je peux directement le calculer, c'est VCC, 12 volts, moins VBNM que nous avons calculé, 6,6 à peu près, divisé par 10 kilos en appliquant la loi d'Ohm. Et on va se trouver avec une valeur donnée. Mais ici, le courant, on ne peut pas le calculer théoriquement, sauf si on place ici une résistance et on mesure la tension en ce point et on applique la loi des mailles et la loi des nœuds pour la loi des mailles et la loi d'Ohm pour calculer ce courant. Donc, nous ici, nous allons placer directement un microampère mètre là. D'accord? Donc j'ai besoin de deux. Donc ici, DC. On le voici. Donc un ici, un autre là. Par exemple, je vais enlever cette connexion. La même chose ici. Donc regardez, là, c'est un ampère mètre. Donc je vais cliquer deux fois pour choisir. Par exemple, 1 microampère mètre. OK, la même chose ici. OK, pourquoi je choisis 1 microampère mètre? Parce que théoriquement, le courant il est très faible. Ah. Donc, je peux faire ici une rotation. La même chose là. Donc, je vais faire une connexion. Là, une autre là. D'accord. Donc, je suis en train de mesurer. Et l'autre par exemple ici. Donc j'exécute le logiciel Isis. Donc regardez, je me retrouve avec un courant ICQ qui est égal à plus 8,96 microampères et avec un courant qui circule dans cette branche. D'accord? Par exemple, nous avons noté IP qui est égal à 541 microampères. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le courant, ce courant, il est très très faible. Et par conséquent, un transistor monté dans un montage push-pull a un point de repos de coordonnées VCEQ égale à VCC divisé par 2 et un ICQ qui tend vers 0. Maintenant, étudions le fonctionnement du montage, mais en dynamique. Pour cela, je vais enlever les différents appareils de mesure autres que l'oscilloscope.
de mon montage. Donc je vais les éliminer. Donc je vais remettre mes connexions telles qu'elles étaient. D'accord. Donc j'ai dit au début de ce montage, de cette vidéo, que le signal de sortie, il est à une amplitude égale à celle que j'ai appliquée à l'entrée de mon amplificateur, et que le gain en tension de l'amplificateur, il est égal à 1. Maintenant, question de fonctionnement du montage, il faut savoir une chose, que le transistor de type NPN va amplifier avec un gain 1 l'alternance positive, et celui de type PNP va amplifier avec un gain 1, un gain en tension qui est égal à 1, l'alternance négative du signal que j'ai appliqué à l'entrée. Donc, le signal dont je vais visualiser, le signal d'entrée, donc je le visualise en exécutant le logiciel ISIS. Donc j'ai ici mes 2 volts crête à crête que j'ai appliqués à l'entrée. Donc j'ai une alternance positive et une autre négative par rapport au GND. D'accord. Donc le signal, les condensateurs ici sont des condensateurs de couplage. En dynamique, elles ont, donc ces condensateurs ont une impédance qui est nulle. Donc le signal va se retrouver en ce point avec la même amplitude en dynamique. Les 2 alternances positives et négatives vont s'appliquer à la base de chaque transistor. Donc vous allez me dire que la diode D1, elle va bloquer l'alternance positive, et que c'est l'alternance négative qui va se présenter à la base de Q1. Et que D2, elle va bloquer l'alternance négative de mon signal, et que seule elle va bloquer l'alternance négative de mon signal, et que seule l'alternance positive, elle va s'appliquer à la base de Q2. Vous allez sûrement me dire ça. Moi, je vais vous dire que non. Les 2 alternances positives et négatives vont s'appliquer à la base de chaque transistor. Le premier, de type NPN, il va amplifier avec un gain de tension qui est égal à 1 l'alternance positive, et l'autre, de type PNP, va amplifier avec un gain en tension qui est égal à 1 l'alternance négative, puisque le signal, l'alternance positive ici, elle s'applique à la base sortie par l'émetteur. Ici, l'alternance négative, elle va s'appliquer à la base sortie par l'émetteur. Donc il va s'agir, bien il s'agit de deux montages collecteurs communs, et on sait que pour un montage collecteur commun, son gain en tension qui est égal à 1. Pourquoi maintenant les 2 alternances positives et négatives vont s'appliquer à la base de chaque transistor? Parce que nous, on voit les diodes D1 et D2, mais le signal, il va avoir un court-circuit. C'est-à-dire que D1, pour lui, c'est un court-circuit, et D2, pour lui, c'est un court-circuit. Pourquoi? Parce que les 2 diodes sont polarisés en direct. Donc, en statique, nous avons vu que VB1M, elle est égale à peu près à l'alimentation divisée par 2 plus 0,6. Que VB2M, elle est égale à l'alimentation divisée par 2 moins 0,6. En faisant ici calculant ici la tension au bord de ces 2 diodes, en ce nœud, par exemple, on va se retrouver avec VCC divisé par 2 plus 0,6 moins VAK qui est égal à 0,6, c'est-à-dire ici, on va se retrouver avec une tension continue qui est égale à VC divisé par 2. Et la même chose si on fait le calcul de l'autre côté, c'est-à-dire ici, on avait l'alimentation divisée par 2 moins VBEQ plus VAK qui est égal à VBEQ, et donc on va se trouver avec ici la même tension. Donc ces 2 nœuds sont portés au même potentiel qui est égal à
VCC divisé par 2. Donc ici, j'ai VCC divisé par 2. Ici, j'ai VCC divisé par 2 moins VA, moins 0,6. Donc la dot des deux est polarisée en direct, en statique. Et cette tension, là, elle est égale à 6,6. Ici, 6. Donc la dot des 1, elle est déjà polarisée en statique. Elle est polarisée en direct, en statique, par l'alimentation V, ici, la tension VCC ou bien B1 qui est égale à 12 volts. Donc, en dynamique, quand j'applique mon signal, il ne va pas voir les diodes, il va voir directement des courts circuits. D'accord? Donc, pour montrer que le transistor Q1 s'intéresse à l'alternance positive et que le transistor Q2 s'intéresse à l'alternance négative du signal d'entrée, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais placer ici une résistance de valeur très faible pour ne pas perturber la polarisation des deux transistors et une autre là, la même chose de valeur très faible. Donc je vais enlever je dois stopper l'exécution de ISIS, d'accord. Donc ici, j'élimine cette connexion. La même chose ici, je vais l'éliminer. Donc j'ajoute deux résistances. Une rotation, la même chose ici, une rotation, donc je vais déplacer ça, cancel, je vais faire ici une connexion, là, la connexion, j'alimente par VCC, la même chose ici. Je connecte à la masse cette résistance. Je la branche au collecteur de Q2. Donc, par exemple, des valeurs qui sont très très faibles, par exemple 47 ohms, des valeurs pratiques 47 ohms. OK. Et je vais visualiser par exemple la tension ici au bord du collecteur de Q1. Donc j'ai dit que la tendance positive et négative elle va s'appliquer à la base de Q1. Q1 amplifie avec un gain en tension qui est égal à 1 l'alternance positive et il va mettre l'alternance négative à la masse. Il va la court-circuiter, mettre à la masse cette alternance négative, c'est-à-dire qu'elle va traverser la résistance R3 pour aller à VCC qui est égal à la masse en dynamique. Donc, qu'est-ce que je veux mesurer ici, en branchant l'oscilloscope là, qu'est-ce que je veux mesurer? Je vais voir l'alternance négative, mais qui a une très très faible amplitude. Pourquoi? Parce qu'elle est court-circuitée, elle va vers la masse, elle est court-circuitée, elle est éliminée du fonctionnement du transistor. Donc, je vais exécuter le logiciel ISIS. Donc je vais m'intéresser, donc ici c'est au bord de la chaîne C, donc je vais régler le GND, donc il est sur moins 40, donc je vais mettre le GND sur la position 0, d'accord, puis en position AC. Puisque la tension elle est très très faible, donc je vais choisir un calibre qui soit faible pour pouvoir visualiser
le signal de sortie. Donc, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que je ne trouve pas ce que je veux obtenir. Donc, pour cela, je vais stopper la simulation. Je vais mettre ici, je vais charger mon circuit avec une résistance de charge. Donc une résistance de charge. Donc je vais la brancher à mon circuit. Donc je vais choisir sa valeur à peu près, par exemple, ce n'est qu'un exemple, une résistance de valeur 100 ohms, ou bien 200 ohms pour début. D'accord. J'exécute. Maintenant, je sauvegarde mon circuit, mon fichier. Puis j'exécute le logiciel. D'accord. Donc, qu'est-ce que je remarque? Je remarque ici. Donc, je vais mettre le signal d'entrée, la chaîne A, à l'état off, et je vais synchroniser par la chaîne C. D'accord. Donc, qu'est-ce que je vois? Je vois ici l'alternance négative qui a une amplitude qui est égale à peu près, si je vais faire une mesure, à regarder, crête à crête égale à 0,16 volts, une tension très très faible qui va où? Qui va à la masse. Donc là, nous voyons correctement, bien clairement, qu'il s'agit de l'alternance négative qui est à orienter vers la masse, c'est-à-dire que Q1 amplifie l'alternance positive. Donc la même chose, je vais visualiser sur la chaîne D. La tension qui est au bord de R4. La tension, l'alternance, je veux voir est-ce que c'est l'alternance positive qui va à la masse ou bien c'est l'alternance négative. Normalement et théoriquement, c'est l'alternance positive qui va à la masse, qui est court-circuitée et qui va à la masse, c'est-à-dire que Q2 amplifie uniquement l'alternance négative. Donc j'exécute le logiciel. Isis. Donc je vais mettre C en position off. Je vais mettre la chaîne D en position GND. Je vais la mettre à l'état on. D'accord. Je positionne mon GND sur 0. OK. Maintenant, je diminue la sensibilité verticale, choisis le AC, le mode AC, et je synchronise mon oscilloscope par la source D. Donc, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que j'ai ici l'alternance, différentes alternances positives qui vont où? Qui vont à la masse en dynamique. Donc, nous vérifions pratiquement que Q1 amplifie l'alternance positive et met à la masse l'alternance négative, que Q2 amplifie l'alternance négative et met à la masse l'alternance positive. À la sortie, qu'est-ce que je vais trouver? Nous allons trouver le signal que ici il est sur la chaîne B. Donc je vais mettre B. D'accord. Donc regardez. Donc je vais mettre même, je vais choisir même le signal d'entrée. Donc ici il y a une petite perturbation de résistance R4. R3 et R4 du fonction, donc ils ont perturbé le fonctionnement de mon montage, donc c'est pas la peine de voir ça. D'accord. Donc qu'est-ce que j'ai dit? Je récapitule. Donc les latérances positives et négatives vont s'appliquer simultanément
à la base de Q1 et à la base de Q2. Q1 amplifié avec un gain 1 en tension qui est égal à 1 puisque l'entrée par là-bas sortie par l'émetteur. L'alternance positive, et il va éliminer l'alternance négative en la mettant à la masse. Q2 va amplifier avec un gain en tension qui est égal à 1 puisque l'entrée par là-bas sortie par l'émetteur. L'alternance négative, et va mettre à la masse l'alternance positive. Par conséquent, ce que je vais trouver en sortie, je vais trouver l'alternance positive et négative du signal d'entrée, c'est-à-dire la même amplitude du signal d'entrée, c'est-à-dire que mon amplificateur push-pull a un gain en tension qui est égal à 1. Au début de cette vidéo, lorsque j'ai défini ce que c'est que deux transistors identiques, j'ai involontairement oublié de dire ou bien de dénoncer que deux transistors identiques ont encore la même puissance maximale en sortie. Maintenant, nous allons voir, bien nous allons déterminer pratiquement les résistances d'entrée et de sortie d'un montage push-pull. Donc, premièrement, s'intéressons-nous à la résistance d'entrée. Donc, nous allons mettre une résistance ici en série. Une résistance en série. Nous avons vu dans une vidéo précédente comment déterminer la résistance d'entrée et de sortie d'un montage quelconque. Dans la méthode que j'ai expliquée, nous allons l'appliquer ici. Donc, je vais visualiser le signal d'entrée en A et le signal d'entrée du montage push-pull ici en B. D'accord? Donc je vais faire varier la résistance R3 de telle façon à obtenir ici la moitié de ce signal. Quand j'obtiens la moitié, alors la résistance que j'ai choisi sera l'impédance ou bien la résistance d'entrée de mon montage push-pull. D'accord, commençons par des résistances faibles, par exemple 1 kilo, bien une résistance moyenne. Donc j'exécute ISIS. Donc voilà les deux signaux en jaune, le signal à l'entrée de tout le montage et en bleu le signal à l'entrée du montage push-pull, c'est-à-dire à la sortie de la résistance R3. Donc je vais me mettre sur deux calibres différents. Le deuxième, celui du signal, c'est-à-dire celui qui correspond au signal que je prélève à la sortie de R3. Je vais le prendre égal à la moitié de la sensibilité verticale du signal d'entrée. Par exemple, ici j'ai 0,2, je suis sur 0,2, ici je suis sur 0. Je suis 0. Ah, quand j'aurai le même nombre de carreaux, alors le deuxième, celui appliqué au canal B, est égal à la moitié de celui qui est appliqué au canal 1 ou bien à la chaîne A. Donc ici, je n'ai pas la moitié. Donc la résistance de 1 kg n'est pas la bonne valeur, n'est pas la résistance d'entrée de mon montage. Donc je stoppe la simulation. Je choisis une autre valeur. Par exemple, 2 kg ou bien 3 kg. Ce n'est pas la moitié. Donc je remonte. Par exemple, la valeur de 5 kilos. J'exécute. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens deux signaux qui sont confondus. C'est-à-dire que le deuxième est la moitié du premier. C'est-à-dire que l'impédance de 5 kilos, la résistance de 5 kilos, c'est la résistance d'entrée de mon montage. Donc,
Mon montage push-pull, puisqu'il est formé de deux étages, de deux transistors qui sont montés au collecteur commun. Et je sais qu'un collecteur commun présente une résistance grande. Donc, j'obtiens ici une résistance de 5 kilos qui est une résistance assez importante. La même chose, puisqu'il s'agit de deux transistors montés au collecteur commun, je dois trouver en sortie une résistance qui est faible. Donc, je stoppe la simulation. Donc, je vais éliminer cette résistance de mon circuit. J'applique directement mon signal d'amplitude de votre attaque et de fréquence 1 kHz à l'entrée du montage. Je visualise la sortie comme nous l'avons vu au début de cette vidéo. C'est le même signal. On se trouve avec le même signal, la même amplitude, puisque le gain en tension est égal à 1. C'est une caractéristique du push-pull. Nous allons placer une résistance en charge. Une résistance en charge. Je la connecte. D'accord. Je vais visualiser le signal maintenant de sortie. Je vais prendre ici une valeur faible, par exemple 1 kilo, faible par rapport à 100 kilo bien sûr, et j'exécute. Je me mets dans deux calibres différents où le deuxième est la moitié du premier. Donc je ne trouve pas le même nombre de carreaux. Donc 1 kilo, c'est pas la résistance de sortie de mon montage push-pull. Je diminue, je dois diminuer, puisque je sais à l'avance que théoriquement que la résistance elle est faible. Donc je vais prendre par exemple 100 ohms. J'exécute ISIS. D'accord, je trouve encore que c'est pas la même, c'est pas la moitié. Donc je vais prendre par exemple 20 ohms. Donc je m'approche de la moitié, d'accord, c'est-à-dire je m'approche de la résistance de sortie de mon montage. Je vais prendre par exemple 15 ohms. Je m'approche davantage de la valeur. Maintenant, je vais prendre 10 ohms. J'exécute. Regardez. J'obtiens une valeur qui a. Donc je peux encore changer la valeur de cette résistance. Mais déjà là, 10 ohms, c'est à peu près la résistance de sortie de mon montage push-pull. Donc je stoppe la simulation. Je choisis par exemple une résistance de 8 ohms, par exemple. Donc regardez, 8 ohms, 10 ohms, je me retrouve à peu près avec le nombre de carreaux. C'est-à-dire que ma résistance, la résistance de sortie de mon montage, c'est à peu près égal à 8 ohms ou bien 10 ohms. En conclusion, pour les résistances de sortie et d'entrée de mon montage push-pull, je peux dire qu'un montage push-pull présente une résistance qui est grande et une résistance qui est faible. Donc 8 ohms, c'est presque un court-circuit, d'où l'utilité du montage push-pull. Un montage push-pull, puisqu'il présente une résistance de sortie qui est très très faible, se trouve dans plusieurs montages. Là où je dois attaquer une charge de très faible valeur, telle que par exemple un haut-parleur de 8 ohms, de 10 ohms, 24 ohms, etc. Ou bien je veux attaquer par mon signal
Un autre transducteur tel qu'une bobine de déflexion verticale, par exemple d'un téléviseur. Ou bien, par exemple, je dois réaliser un circuit intégré d'impédance de sortie qui est très faible. Donc l'étage push-pull, pour les circuits intégrés tels que les amplificateurs opérationnels, c'est le dernier étage qui se trouve intégré dans un AOP. Et c'est pour cela, un AOP théoriquement, il présente une résistance de sortie qui est faible. Il présente une résistance de sortie qui est faible. Et cette résistance de sortie qui est faible, c'est la résistance de sortie d'un montage push-pull qui se trouve à la sortie ou bien comme dernier étage d'un amplificateur opérationnel. Donc encore, ce type de montage push-pull, on le retrouve dans les amplificateurs basse fréquence audio, c'est le dernier étage, puisque le transducteur, ou bien le capteur, ou bien dernier élément de cette chaîne audio, c'est le haut-parleur. Un haut-parleur présente une résistance qui est très faible. Pour résoudre le problème d'adaptation, pour aussi amplifier le signal d'entrée en courant, nous utilisons un push-pull. Donc, un push-pull dans une chaîne audio, c'est le dernier étage qui va se trouver, bien qu'il va se retrouver avant, qui est placé avant le haut-parleur. Dans les téléviseurs, surtout pour la base de ton verticale, c'est-à-dire le montage push-pull, il est placé avant la bobine de déflexion verticale. Donc le montage push-pull dans un téléviseur à partie basse de ton verticale, c'est le dernier étage de la base de ton verticale d'un téléviseur. Pour voir le rôle des diodes D1 et D2, donc je vais charger mon amplificateur push-pull par une résistance très grande, par exemple de valeur, par exemple 10 kilos, une valeur très grande, de telle façon que la sortie est identique à l'entrée. Donc j'exécute le logiciel pour vérifier. Donc je vais me mettre sur le même calibre, donc c'est bon. Et je vais court-circuiter par exemple la diode D1. Par exemple, la diode D1. Donc je vais la court-circuiter par un court-circuit, une connexion, comme ça. Donc la diode D1, elle n'existe plus dans le circuit. Elle est court-circuitée par ce court-circuit. D'accord? J'exécute. Donc, qu'est-ce que je remarque? Donc je vais me mettre sur deux. Le signal de sortie qui est en bleu. Je vais mettre le premier à l'état off et je synchronise par la source B. Donc qu'est-ce que je vois? Je vois ici que le signal il s'annule ici et là. D'accord? Maintenant, je stoppe la simulation, je vais court-circuiter l'autre diode. J'exécute et voilà la forme du signal en sortie. La forme du signal en sortie. D'accord? Donc ici, je remarque ce qu'on appelle à. Donc cet effet, il est dû aux distorsions de recouvrement. D'accord? C'est-à-dire que l'absence, puisque ici, je n'ai pas les deux diodes, elles sont court-circuitées. Le transistor Q1, pour qu'il soit conducteur, il faut que le signal à tendance positive soit supérieur à 0,7 volts. Donc je vais perdre. Donc Q1, il va amplifier la tendance positive, mais avec un gain en tension qui est égal à 1, la partie qui est supérieure à 0,7, c'est-à-dire que la tendance positive, elle va perdre 0,7.
La même chose pour l'alternance négative, quand elle s'applique au transistor Q2, ici, elle va perdre 0,7. Donc, et 0,7, c'est la tension c'est la tension VB EQ du transistor. Donc, ces distorsions dans le signal sont appelées théoriquement les distorsions de recouvrement. Donc, si je mesure, donc j'ai injecté à l'entrée 2 volts crête à crête. Bon, je peux le voir ici sur l'oscilloscope. Mes 2 volts crête à crête sur le calibre de 1. Ou bien sur 0,5 sur. On peut regarder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 fois 0 de ces 2 volts crête à crête. Si je mesure. Donc directement, je peux faire une mesure. Donc regardez, c'est 2 volts. Donc j'utilise le nombre de carreaux fois le calibre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 fois 0,2, c'est 2 volts crête à crête. Maintenant pour l'autre, si je mesure l'autre. Je calcule le nombre de carreaux. 1, 2, 3, 4. 4 fois 0,2, c'est 0,8. D'accord? Donc 0,8. Donc je vois ici, regardez, 0,08. 0,8 volts, 800 millivolts crête à crête, c'est-à-dire 0,8 volts crête à crête. Donc j'ai injecté crête à crête à l'entrée. 2 volts, 2 volts, et j'obtiens en sortie, sans regarder aux distorsions de recouvrement, j'obtiens 1,08, c'est-à-dire j'ai perdu 1,2 volts. Et c'est correct théoriquement puisque le VBEQ ici, il est égal à 0,6, donc la transpositive positive. Ici, elle va perdre 0,6. La tension négative, elle va perdre 0,6. Et donc, je vais me retrouver avec 2 volts moins 2 fois 0,6, c'est-à-dire 0,8 volts. Donc, je peux le confirmer autrement en injectant ici une amplitude crête à crête égale à 4, égale à 4 volts, 4 volts. Donc, j'ai appliqué 4 volts crête à crête. Donc j'exécute. Donc je visualise l'entrée. Donc je suis sur 1, 2, 3, 4. 4 fois 1, c'est 4 volts crête à crête. Et en sortie, d'accord. La sortie. Donc si je vais mesurer, faire une mesure. Donc regardez. Donc c'est 2, à peu près 2,75, disons 2,8, et 2,8 plus 1,2, plus 0,6 plus 0,6, c'est-à-dire 1,2, 2,8 plus 1,2, c'est 4. Donc, en absence des deux diodes, D1 et D2, le signal de sortie, il présente des distorsions dues au recouvrement, ce qu'on appelle les distorsions de recouvrement, et en même temps, le signal de sortie crête à crête, il va perdre 1,2 de son amplitude qui est appliquée à l'entrée du montage. Donc, le rôle de D1 et D2 est de D2, parce que, en éliminant ce court-circuit, le rôle c'est quoi? C'est d'éliminer les distorsions de recouvrement et par conséquent obtenir un signal en sortie égal en amplitude à celui que j'ai injecté à l'entrée. Ceci d'une part. D'autre part, regardons, s'intéressons-nous à cette maille. D'après la première loi de Kirchhoff, somme des tensions égale à zéro. Vérifions cette loi. Donc ici j'ai 0,6 moins 0,6 moins 0,6 plus 0,6 égale à 0.
somme des tensions égale à 0. Donc ici, j'ai 0 égale à 0. C'est une tautologie. Maintenant, si je n'avais pas les diodes D1 et D2. Donc, elles sont co-circuitées. Donc, j'applique toujours dans la même maille, mais en absence de D1 et D2, à somme des tensions égale à 0. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai 0,6 plus 0,6 égale à 0. 1,2 égale à 0, c'est une ontologie du point de vue mathématique. Donc, le rôle de D1 et de D2, c'est d'éliminer les distorsions de recouvrement pour obtenir en sortie la même amplitude du signal que nous appliquons à l'entrée du montage push-pull. Et deuxièmement, pour ici, dans cette maille, avoir son détention égale à 0. Maintenant, je vais vous montrer comment réaliser un petit circuit imprimé pour le montage push-pull que nous venons d'étudier. Pour cela, nous allons utiliser l'environnement ARES de Proteus. Donc, j'exécute ici l'environnement ARES. Donc, ici, il me demande pour la batterie P1 de 12 volts un package. Donc, j'ai déjà réalisé un package que j'ai nommé VCC par exemple. Donc, je clique OK. Donc, pour les composants, je me retrouve avec, donc ici B1, c'est l'alimentation, les deux condensateurs de liaison, les deux diodes, les deux transistors, les deux résistances R1 et R2 et la charge R3. Donc, je vais commencer par placer dans ma fenêtre de travail, plan de travail. Donc, je commence par le transistor Q1. Donc, la même chose pour le transistor Q1, j'ai réalisé un package propre à moi. D'accord. Donc ça c'est le transistor Q1. Donc je vais introduire le transistor Q2. La même chose pour le transistor Q2, je lui ai réalisé mon propre package. Je vais placer la résistance R1. Par exemple, je vais la placer ici. La résistance R2. Par exemple, je vais le placer ici, les deux diodes, D1 et D2. Par exemple, puis D2. Je vais mettre ici des deux et je vais prendre cette résistance, je vais la mettre là. Par exemple, d'accord, la même chose pour cette 2, je vais la déplacer ici par exemple. L'alimentation. Le condensateur C1. Donc ici C1, je vais le placer
par exemple, je vais le placer ici. Je vais le déplacer légèrement. Là, l'autre condensateur de sortie. Je le place ici et le dernier composant, par exemple, je vais le mettre là. Par exemple. Maintenant, je vais réaliser les pistes. Donc, je vais commencer par ceci. J'ai utilisé ici le default, ici, à peu près de largeur 60, une largeur qui est intéressante et que j'ai, c'est-à-dire, utilisé en pratique. C'est une piste qui est intéressante. Voilà, je fais ici la connexion de VCC. Là, même chose ici. Qu'est-ce qu'il me laisse? Il me laisse tout ça. Là, les deux émetteurs ensemble. Et voilà. Donc, du coup, le collecteur il est passé directement de Q1 directement à VCC, de Q2 directement à la masse. Les deux émetteurs sont reliés entre eux. La base, j'ai une diode qui sort de la base et qui va où? À l'autre diode. Et l'autre diode, elle va à oui, à la base de Q2. D'accord. Les résistances. Donc, je vois le circuit, il est final. D'accord, donc c'est ça. Donc, je vais uniquement changer là ces pastilles. Je vais remonter les diamètres. Je vais prendre un diamètre de 120. D'accord. La même chose pour le condensateur. Les résistances. D'accord. Donc je ne dois pas oublier de placer des pastilles pour l'entrée, là où je vais appliquer mon signal d'entrée. Par exemple, je vais le mettre là. Donc ça c'est l'entrée par rapport à la masse. Je peux ajouter une autre pour la masse. Je relie la masse de la batterie avec la masse de mon circuit. Je ne dois pas oublier.
Je vais faire ici pour ce condensateur une rotation. Je vais faire un petit. Bon, j'ai mis ça. Je vais mettre ça. Ce condensateur, par exemple, ici. Une pastille. Là, par exemple, pour l'entrée. Et par rapport à la masse. D'accord? Donc je vais éliminer cette piste. Donc je fais un zoom à mon circuit. Je fais une connexion là. Je vais éliminer cette connexion ici. Jusque là. Donc la masse de la batterie avec la masse de mon circuit. C'est le GND. D'accord, puis je vais faire ici un contrôle Z. Bon, une connexion là. C'est pas pourquoi elle clignote. Donc je vais l'enlever. Bon, je vais enlever tout le condensateur. Comme ça, même la piste. Je vais le remonter une deuxième fois. Ça, par exemple, je le place. Bon, je vais faire la connexion. Donc je vais la laisser.
exemple, je vais la placer ici. Je vais déplacer le condensateur là. Puis je vais faire la connexion ici. D'accord. Donc je pense que c'est mon circuit imprimé final. Donc je vais le délimiter. Voici ma plaque maintenant. Je vais le délimiter. D'accord. Puis, je vais appliquer ici un plan de masse. D'accord. Donc, le plan de masse que je vais appliquer n'est pas connecté à la masse. Si je veux qu'il soit la masse, bien le châssis, je dois faire un court-circuit avec la piste GND. Donc, pour cela, donc ici, j'ai je dois faire ça sur la partie cuivre et je dois choisir ici une épaisseur, c'est-à-dire une distance. Je dois laisser une distance entre mes pistes conductrices et ce plan de masse à peu près égal à 40. Si j'ai passé ce plan de masse, c'est dans le but d'avoir une plaque de circuit imprimée qui n'est pas très souple. Et voici ma plaque de circuit imprimé finale. À la prochaine vidéo. Salam.